Ça filmait pas encore. Ah, attends, okay. 1, 2, 3, scène, action. Du coup, Nathan fait ses petites publications. Tu ne feras pas. Il n'est pas content. Si, je vais faire un vlog. Et du coup, on a commencé à faire. Enfin, on a fini quasiment nos valises. Là, en même temps, c'était une journée galère parce qu'il faut se préparer pour Nouvel An, finir nos affaires. Demain, on part. On ne sait pas encore où, vu qu'on n'a pas encore pris notre escale. Et même. Le mardi, finalement, on va aller sans doute directement à Monte-Gordo et dormir chez Claire. On n'attrape pas dispo que le mardi. Non, mercredi, du coup, le 3. Enfin bref, une autre journée galère demain. On verra comment ça va se passer et si Nathan sera de bonne humeur. T'es prêt à être poli? Sois poli avec les gens. Bon, et bah du coup, 1er janvier, bonne année à tous déjà. Et nous, on est enfin sur la route des vacances, direction le sud, direction le Portugal. On ne sait pas encore où on dort ce soir, du coup là, je vais aller chercher un endroit où on va dormir. Après 2 heures de chargement. Après 2 heures de chargement. Nathan voulait qu'on parte à 13h, il voulait rouler courir. On a juste roulé, pas longtemps, 1h30. Et on est parti 40 minutes en retard, voire 45, le temps de passer à la poste, faire 2-3 trucs. Voilà, du coup là ça va pas être très intéressant, il y a juste à trouver un petit coin où dormir et espérer qu'on n'a rien oublié. Moi j'avais investi dans un petit micro pour les vlogs et je l'ai déjà ou perdu ou pas eu dans ma boîte, un peu triste. Et sinon bah, hier on a fait Nouvel An comme des vieux un peu, parce qu'on est proche de la trentaine, en tout cas pour ma part. Je suis éclatée en ce moment avec toutes les fêtes de famille qui étaient très bien, mais quand même fatigantes. Pourquoi comme des vieux? Comme des vieux, parce qu'on n'a pas fait la chouille. Une semaine, il avait organisé une grosse soirée. Oui, on n'a pas rien fait, mais on s'est couché à 2h30, cela dit, ce qui était bien trop pour moi. Et voilà, c'était cosy, on a fait des petits jeux de société. Bon, c'est des trucs de vieux, mais moi j'aime bien, c'est mon mood. Il y aura des trucs jolis à filmer ou sinon peut-être quand j'aurai trouvé où on dort je vous montrerai. Arrête, tout le monde va voir que je mange pas de sucre. Régime cétogène. Inversé. Inversé. Que du glucides. Tu peux même laisser les dragibus? Ouais. Merci. Je sais pas s'il va le faire. C'est des fraises plus que le pain. Oui. Du coup, on est en Espagne, à la frontière. On vient de faire l'essence parce que c'est moins cher. Je sais pas, c'est très mal. On n'a pas la même taille de jambes. Et il nous reste 3h24 jusqu'au motel, dont je ne sais plus le nom, que j'ai trouvé. Où, incroyable concept, c'est... une chambre, un garage par personne. Du coup, on va pouvoir laisser tout dans la voiture, safe. Un American Motel. Yes. Et ça, c'est plutôt cool. Mais il y a un accident depuis qu'on est passé tout à l'heure. Change. Film passer la police, ils vont peut-être pas apprécier. Cache, c'est nos droits, on est dans notre droit. Ah, je sais pas, non, arrête quand même. Je crois qu'il est pas. Je le laisse au cas où il se passe quelque chose. Hop. C'est la drogue! Tu dis ça parce qu'ils avaient des casquettes. Oh, je n'ai même pas vu à quoi il ressemblait, mais j'ai vu une petite voiture près d'une foncière qui se fait arrêter. Oh, d'ailleurs, faut que j'aille. Ah oui, tout droit. Ah là 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 là! Ben, j'ai pas dormi pendant que j'étais censée dormir. J'ai avancé sur ma vidéo récap de l'année. C'est-à-dire, j'ai passé de 1000 vidéos prises à moins de 300. J'ai dû supprimer plein de vidéos de mes chiens. Enfin, supprimer. Pour pas qu'elle soit dans la vidéo récap, mais je les ai toujours forever and ever. Ça finira par Rose, ça commencera par Nathan. Arrête-moi que... Moi je vais aller dormir d'ailleurs. Repas de qualité. C'est le 1er janvier, c'est le seul truc de là. On voit quand même la voiture qui est bien chargée. Et on a fait une entorse, on n'est pas. Enfin une entorse. On a décidé de changer, on n'est pas allé au McDo. J'ai pas pris de dessert.
une boisson à volonté au Burger King encore. En même temps, il a pris deux menus, ce gros sac. Attends. Ouais, il y a la serviette pour le coup. Hola, buenos, buenas noches. Buenas noches. You speak English? Do you speak English? Wait a moment. Okay, how do you book? Reservation? Book? Yes, on booking. Okay, what day? Le what R. Did you say, please? Le R. Where? Le R. Okay, Yannick? Yes. Okay, I need the passport, identity card, and 45 Chimpa, perdi. De chaque côté. Non, trop long. Oh, c'est possible. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit le temps mort. Waouh. Chant de fumeur. Ça sent la clope. Ah oui, c'est pas très 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 agréable. On va faire quoi, Nathan? Courir sur le parking. Mais non, on a trouvé des chemins un peu les plus longs. On les a pas encore trouvés. Si, mais j'ai pas trouvé. Tu les as vus sur ton téléphone. Sur la map. Bah ouais. Du coup, on va faire un petit footing. Il fait 4 degrés, ressenti 2. On est au milieu de l'Espagne. Et ensuite, on part, on va nager à Valladolid dans la même piscine que l'année dernière, si elle est ouverte. Et ensuite, oui, ressenti 2 sur mon application. Et ensuite, on trace jusqu'à Montegordo. Youp youp. Et on s'achètera peut-être à manger. C'est bien là. Voilà. C'est la danse kenyane. Tu fais ça bien. C'est bien ce footing? Oh, je sais pas qui j'ai. C'est mignon quand même. Non mais je veux dire pour à côté de l'autoroute, je pense qu'on pourrait pas rêver beaucoup mieux. Sol mou, pas un chat, enfin, c'est normal je pense. Petits oiseaux, pas de soleil, un peu froid. Une fois de plus me voilà seule, Nathan au loin, s'arrêtant pour son troisième pipi de la sortie en 37 minutes. Ce mec a un réel souci. Ou alors je suspecte qu'il fasse genre il doit s'arrêter. Ce qui trouve que je vais pas assez vite et comme ça il peut faire des petites accès dans son footing et avoir une meilleure moyenne. Peut-être ça. Bon, bien, on est à Valladolid. Valladolid, oui. Je suis à 4000. Il me reste 1002. Normalement, on attend la fin d'un moment. J'ai un peu adapté la séance parce que déjà j'avais pas mon pool et là je suis pas apte à faire autre chose que juste nager, donc je nage en continu. J'ai quelqu'un qui est venu dans ma ligne avec les palmes, ligne rapide, tout le monde est un par ligne, elle s'est dit qu'avec moi ça serait mieux, parce que je peux comprendre parce que je suis de super bonne compagnie, mais un peu chiant. Bon allez, 1002 et c'est fini et on va à Montegordo. Oh, j'ai une tête, je suis blanche, mon dieu. Quel dauphin. Natation finie. Maintenant, on va pas envoyer de message, donc j'imagine que la voiture va bien. Je l'espère en tout cas. Par contre, je sais pas comment on fait. Voilà. C'est là qu'on a nagé.
direction le Portugal. C'est beau, hein. C'est parce qu'on va quitter le microclimat des montagnes de Banos. Bon, jusqu'à maintenant il faisait soleil, mais là. Attention, vidéo récap Instagram de toutes mes vidéos de mon téléphone. Il y avait 1h30 de rush, j'ai réussi à faire 5 minutes et j'adore faire ces vidéos, j'adore regarder ces vidéos parce que ça me rappelle mon année. Et là en l'occurrence j'ai vu des trucs que j'avais oublié qui s'étaient passés. C'est plutôt cool. Cool. Nathan adore aussi faire partie des vidéos, que je fasse la vidéo, ouais. Qu'on écoute en boucle la même musique pendant. Franchement, j'ai pas mis tant de temps que ça. Non. Non. En vrai, bah, j'ai commencé hier, mais je veux dire, avec la musique, j'ai dû mettre. Ouais, peut-être 1 heure. Ce qui en soi, ça va. Ce qui me restait encore 40 minutes quand j'ai commencé là. Bon, après, j'ai mis la musique plus tard. Voilà, bref, regardez. Ah, ça sera déjà sorti avant cela, cela dit. Mais retournez regarder du coup. Ah oui, c'est bien. Mais toi, tu l'as pas vu encore. J'ai hâte. Tu veux pas faire le focus. Bon, il faut encore que je me familiarise avec cette caméra, visiblement, parce qu'elle me donne un peu de fil à retordre. On a retrouvé le soleil. Nathan mange toujours ses maltesers qui cachent derrière. Salle, soleil. Dans moins de 3 heures, on est arrivé. Ma vidéo est postée. Nathan l'a pas encore vue. C'est un peu le main character de la vidéo. Après moi-même, évidemment. T'es content d'être sur ma vidéo récap un tiers du temps? En duel avec Sia, évidemment. En duel face à un chien, c'est cool. Mais pas n'importe quel chien. Ah oui, regarde, il y a les décorations. C'est la première fois qu'on voit les décorations en Monte-Carlo. Je suis jamais venue aussitôt. Ça dit, j'étais partie un 21 décembre, une année, mais je me rappelle pas avoir vu de déco. Fin du périple. Ah là, on le voit. Bon testa. Ça doit être bonne fête, j'imagine. Je sais pas si Paolo va m'autoriser à faire comme toi et pas être seule pendant une semaine. Tu es fille, là? Je vais juste mettre ça comme ça. De toute façon, il y aura presque jamais quelqu'un qui se met ici. Bah ouais. Ouais, il reste juste cette chaise, ouais, qui est toute seule ici. Bon, après, on peut la mettre là. Celle sur laquelle ouais, t'es? Ou alors, il faut la mettre dehors, tu vois. Ouais. Il bah, y a déjà un stock de chaises. Pour mettre tous les trucs vélo aussi, c'est pas. Une chaise, ouais, la chaise. Ah, mais là, elle va se prendre dans la porte. Hein. Bah, ça va parce que. Du coup, en plus, ouais, si après c'est le vélo de Myriam, elle sera plus petite. Ouais. Ah, bah, celui-là, il prend quand même de la place. Regardez qui est de retour dans ma vie. C'est mon petit doudou. Thanks to Yuko. La sauveuse. Et nous voilà, back dans la piscine de Monte-Gordo pendant 5 mois. T'es contente, Claire? Je suis contente. T'es contente que je sois arrivée? Je suis contente que tu es arrivée. Elle a dit ça juste pour la vidéo. Dis bonjour! Ah, tu es flou, comme d'hab. Bon, bah, on est arrivé cet après-midi dans notre appart après avoir fait une nuit chez Claire. On a récupéré l'appart cet après-midi et là on a été très bien accueillis, non? Et du coup bah, je vais vous faire un petit tour. J'ai déjà rangé toutes mes affaires contrairement à Nathan Lesman qui casse tout. Donc voilà, ça c'est l'entrée. On a fait un petit aménagement fleuri ici pour pas que ça nous gêne
à d'autres endroits. Donc là, petite déco bois. On arrive, première chambre. Bon, pour l'instant, j'ai juste laissé la veste de Nathan et mon vélo. Et en fait, ils ont... Je pense qu'ils avaient une méga terrasse. Et ils ont... Ouais, vous allez voir après, mais... En gros, ça, c'est devenu des loggias et il y a des petits rangements. Oh, ils ont des plaids qu'on a chaud ici. Nous aussi, cela dit. Enfin, bref. Ah, et ils ont l'aspirateur. Très bien. Donc ça, ce sera la chambre de Ceci qui arrive le 11. Ensuite, notre chambre avec un peu plus d'affaires. Moi, j'ai tout rangé. C'est les affaires de Nathan. Moi, du coup, j'ai mis toutes les affaires rangées, sous-vêtements, vélo, course à pied, vélo, habits de ville, maillot de bain, pyjama, même si c'est pas trop en rapport, bric-à-brac. Ça, du coup, faut que je trouve une place. Bon, là, il y a tout ce qui est bottes de récup, récup de manière générale. bon, là, le lit, grand lit. Ah oui, on a une petite salle de bain, privative. Voilà, voilà, c'est très cute. Très pratique, on a la suite parentale du coup, vu que Ushio sera un peu moins souvent là et surtout qu'on est arrivé les premiers. Là, ça a été mon côté maniaco-maniaque que j'ai fait tout à l'heure, j'ai tout rangé. Là, il y avait plein de plantes et plein de trucs qu'on a dégagé pour pouvoir mettre les vélos. Bon, pour l'instant, le mien est dans la chambre de Ceci pendant une semaine. Et là, pareil, du coup, c'est tout rangé. Et voilà, donc ça, c'est pour les chambres. Là, du coup, petit couloir. Toilette partagée, mais que du coup on ira sans doute pas très souvent. Tac 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 tac. Bon, ça serait plus simple avec la GoPro pour grand angle. Hop. Et là. T'es flou de toute façon. Et là, du coup, la. La cuisine. Et bon, cuisine-salon, ça c'est le point un peu pas ouf parce que. Bon, il n'y a pas grand chose. Mais c'est moins pire que l'an dernier. Cuisine, toute blanche, toute propre. Faut qu'on garde ça. Et là, Ceci est heureuse. Parce que du coup, c'est la quatrième année qu'on va vivre ensemble avec Ceci. Et ah, la première année, on avait peut-être un lave-vaisselle. Mais ça fait 3 ans qu'on n'en a pas. Et du coup, là, elle va être refaite. Et là, le truc que c'est dommage, je vous remontrerai demain. On a une petite terrasse. Mucho simpatico. Vue forêt au loin là-bas. Et du coup, on voit pas la mer, mais ça, c'est pas bien grave. Voilà, voilà, c'était pour la visite. En tout cas, on est bien installé. Enfin, moi, pour ma part, tout est rangé. Je crois que Nathan est parti dans la chambre. Premier coucher de soleil en amoureux. C'est joli. On n'est pas les seuls. Petite série photo. Au futur post Instagram probablement. Il y a du monde là-bas. Des oiseaux et des humains qui regardent le coucher de soleil. Enfin, les oiseaux, ils sont plus là pour se nourrir, je dirais. Waouh. Ça serait stable. Tu le trouves joli, le coucher de soleil? Tu me prends une photo là en dessous, je te vois. Je te pose une question. Oui, ça va. Je fais un tout petit peu de soleil. Hein.